Bonjour. Le club Ararat TV Radio Dialogue. Bonjour à toutes, bonjour à tous, Richard Fanikian pour vous présenter la nouvelle édition du club Ararat TV Dialogue, une émission consacrée aujourd'hui à la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Le siège de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne se trouve non pas à Paris, comme la plupart des autres chambres de commerce, mais bien à Marseille, où la communauté arménienne représente près de 10% de la population intramuros de la deuxième ville de France. Nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui le président fraîchement élu de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, monsieur Bernard Olassian. Bernard Olassian, bonjour. Merci, bonjour cher ami. Notre second invité gère une entreprise de nettoyage industriel dans le centre-ville de Marseille, rue Beauvau exactement, l'entreprise Sud Omnium Service. Nous recevons avec joie le vice-président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, Bernard Atémian. Bonjour. Bonjour, chers amis. Notre troisième invité est entre autres le président de l'Amicale des anciens combattants et résistants français d'origine arménienne. Il est pourtant très jeune et grâce à Dieu, il n'a pas fait la guerre. Il est aussi chef d'entreprise dans le BTP. C'est l'ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, Simon Azilazian. Bonjour. Bonjour Richard. Enfin, quatrième et dernier invité, c'est celui qui a pour mission de développer la Chambre de commerce à travers tout le territoire français. Vaste programme dont nous parlerons dans un instant. Il est également consultant et c'est aussi l'un des administrateurs de Ararat TV, Eric Narcissian. Bonjour. Bien, bonjour Richard et bonjour à tous. Et avec nous également en cabine pour l'instant, elle nous rejoindra autour de la table dans quelques minutes, Knar, la chroniqueuse de l'Union Générale des étudiants franco-arméniens, qui résumera à sa façon la situation économique de la République d'Arménie en nous communiquant quelques indicateurs de l'économie arménienne. Mais plantons tout de suite le décor, si vous le voulez bien. La Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne a pour but de promouvoir les relations économiques entre la France et l'Arménie et de servir de plateforme afin de favoriser les échanges entre leurs entreprises. Bernard Olassian, présentez-nous rapidement l'historique de cette Chambre de commerce dont vous êtes depuis quelques semaines le nouveau président. Ben, cher ami, c'est une chambre donc nationale qui a été créée en 1996 par Ernest Seferian. Oui. Donc, comme vous l'avez signalé, cette chambre nationale est un peu atypique puisqu'elle a son siège à Marseille et non pas à Paris. C'est la seule d'ailleurs. Tout à fait. Elle comprend un nombre important de chefs d'entreprise sur l'ensemble, bien entendu, de l'Hexagone avec des antennes à Paris, Nice, en Corse. Et notre ami qui est à côté de moi sera chargé, bien entendu, de développer encore plus. Je dois rappeler aussi qu'elle est membre des chambres bilatérales UCAB et que dernièrement, c'est une très bonne nouvelle pour nous, elle est membre des chambres internationales de commerce mondial.
Alors Simon Azilazian, vous avez déjà été président de cette chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Qu'est-ce qui a été le plus facile, maintenant vous pouvez regarder dans le rétroviseur, qu'est-ce qui a été le plus facile pour vous à gérer et où avez-vous rencontré les plus grandes difficultés dans la gestion de cette chambre? J'ai eu l'honneur de présider la chambre de commerce effectivement franco-arménienne pendant 2 années. Et la première des difficultés, c'était en fait de dépoussiérer un petit peu le passé, parce que pour ne rien vous cacher, la chambre de commerce suivait un rythme plutôt de sénateur, dans un certain confort, et il fallait à la fois recadrer les projets parce qu'ils s'éloignaient un petit peu de ce que souhaitaient les collectivités locales qui nous accompagnaient dans les réalisations, et puis de la réalité de l'Arménie, parce que ce qui est important, c'est justement d'essayer de créer une passerelle entre ces deux pays en fonction des besoins des uns et des autres. Donc ça, c'est la première difficulté. La deuxième réponse à la question que vous me posez, c'est simplement que autour de ces projets, une équipe formidable, enthousiaste, qui n'hésitait pas à travailler, à transpirer et à faire des allers-retours sur l'Arménie pour que justement ces entreprises puissent se retrouver et essayer de mettre en place un réseau d'affaires solide. Bernard Atémian, vous êtes depuis 30 ans, on peut le dire, vous êtes l'un de ceux qui connaissaient le mieux le tissu économique et associatif de la communauté franco-arménienne de Marseille. Qu'est-ce qui vous semble, à vous, le plus difficile à gérer au sein de cette communauté, plus globalement? Je crois que, globalement, il y a beaucoup plus de choses qui nous rapprochent que ce qui nous divise. En fait, on a besoin des trois entités que sont le juridique, l'artistique et l'économique. Le CFA fait un travail excellent, l'ancien CCAF, au niveau des lois sur la pénalisation du génocide arménien, du négationnisme. Les associations culturelles et artistiques font un travail merveilleux. Et puis nous, au niveau économique, eh bien, on essaie de faire avancer cette locomotive qui est la Chambre de commerce franco-arménienne. Je rappelle que nous sommes des bénévoles et que cette association est en train de devenir une chambre reconnue et respectée sur le territoire. Alors je reviens vers le président Bernard Aulassian. Quelles sont les grandes orientations que vous souhaitez mettre en place et comment voyez-vous la chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne trouver sa vraie place au sein du territoire français? Effectivement, développer cette chambre, c'est notre grande ambition et je crois qu'on a les moyens de le faire. Et des grandes orientations en créant aussi des forums pour les années à venir, des forums de plus en plus nombreux sur 2011, 2012, 2013, et puis servir de plateforme à Marseille 2013 pour la capitale de la culture. Oui. Et je rejoins un peu notre ami Bernard Atémian, et effectivement, le mariage économie et culture qu'on avait toujours peur de mettre. Aujourd'hui, on constate que, par exemple, la CCI pilote de Marseille capitale de la culture en 2013. Et nous, les administrateurs, les vice-présidents, l'ensemble du conseil est favorable à ce que nous participions là-dedans et on va prendre ce problème à bras le corps. Bien entendu, l'ouverture, comme je vous ai dit, des antennes et puis énormément de soirées avec des économistes et des politiques pour vraiment peser et faire voir que nous existions. Éric Narcissian, vous êtes actuellement en train de mettre en place différentes antennes à travers le territoire français, notamment en créant en ce moment même une antenne parisienne. Parlez-nous un peu de la stratégie que vous adoptez afin de renforcer cette chambre économique au plan national. Écoutez, j'ai la chance d'avoir une belle mission, alors je ne suis pas seul heureusement. Et il a été dit tout à l'heure, la chambre de commerce et l'industrie franco-arménienne, le siège à Marseille. Maintenant, notre vocation est nationale et c'est quand même une priorité de développer des antennes de la chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, en sachant que la priorité étant bien sûr Paris, parce que Paris et la région parisienne, c'est quand même en France là où tout se passe. Et on a réussi à trouver là-bas des personnes qui ont répondu présent, donc qui veulent faire des belles choses, des anciens chefs d'entreprise ou des anciennes personnes qui étaient bien impliquées dans le réseau économique de près ou de loin. Donc ça, c'est la première étape. Paris, qui je pense au moins sur le principe et au niveau de l'équipe, est acté. Après, bien sûr, Valence, Romans, Grenoble, où il y a une belle communauté. C'est-à-dire qu'en fait, la stratégie, c'est de s'appuyer sur le réseau déjà existant communautaire des Français d'origine arménienne. Donc si on arrive à faire l'axe PLM déjà cette année, ce serait déjà très bien. Alors le développement économique de l'Arménie est d'autant plus difficile à réaliser qu'il s'agit d'un pays enclavé, on le sait, également touché par la crise et qui connaît actuellement de sérieux problèmes avec l'Azerbaïdjan et le conflit du Karabakh. Comment la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne peut-elle encore mieux aider l'Arménie
à se développer économiquement. Simon Azilazian. Bah, d'abord, en essayant de faire un état des lieux sérieux de ce que sont les véritables besoins de l'Arménie et quelles sont les entreprises françaises qui sont capables, en dehors des gros, des grandes entreprises comme Veolia, Ricard et autres, qui n'ont absolument pas besoin de clés pour ouvrir les portes du commerce arménien, mais par contre toute cette couche de petites et moyennes entreprises qui en règle générale ont des difficultés à aller vers l'export ont besoin de nous, ont besoin de ce savoir-faire et de cette relation privilégiée qu'on peut avoir, parce que en réalité entre la France et l'Arménie il y a toujours eu un lien historique culturel très fort. Et cette base-là est une base, un socle solide sur lequel on peut s'appuyer. À partir de là, évidemment, il y a des atouts en Arménie qu'il faut faire briller de façon à ce que les industriels et les hommes d'affaires français puissent trouver un intérêt. Et ces atouts sont multiples. Il y a un savoir-faire qui existe, savoir-faire notamment dans le domaine de l'informatique. Il y a une main-d'œuvre qui est accessible, qui est même bon marché, on va le dire comme ça. Il y a de grands espaces. Il y a des friches industrielles à foison qui sont complètement à l'abandon et qui demandent qu'à être réhabilitées. On va parler des taux d'imposition qui sont très faibles par rapport à ce qu'on peut connaître sur la France, etc. Donc notre mission, bien qu'il y ait bien entendu des difficultés, parce que tu parlais tout à l'heure du transport et des moyens de communication avec l'Arménie, c'est vrai que le fait de ne pas avoir de port, d'être un pays enclavé, c'est une grosse difficulté, mais on arrive malgré tout, à travers les ports de Batoumi et autres, à faire du transport maritime relativement bon marché. Et donc tous ces éléments-là, lorsqu'ils sont mis en valeur, permettent de constater que l'Arménie est vraiment un pays à destination d'OTAN que c'est un pays qui était partie intégrante de l'Union soviétique et que de ce fait, elle a des relations privilégiées avec tous les autres pays alentours et elle peut devenir un pôle central à partir duquel les industriels peuvent gérer toute une partie importante de cette région de la planète. Alors, les entreprises arméniennes sont-elles bien implantées en France dans quel secteur aussi peuvent-elles se distinguer, en particulier Bernard Atémian? Je pense effectivement, comme l'a bien analysé Simon, les entreprises arméniennes sont aujourd'hui n'ont rien à envier aux standards européens, notamment en textile, dans tout ce qui est textile, on trouve à Yerevan des entreprises de découpe laser qui font du vêtement top, de haut niveau. Il y a également sur la partie informatique des sociétés de composants électroniques qui n'ont rien à envier également aux standards européens. Je rappelle que l'Arménie a frappé à la porte de l'Europe et que de plus en plus, tous les critères deviennent de plus en plus, de mois en mois et d'année en année, favorables. Il y a également sur le plan tourisme aussi une grande avancée ces dernières années. On pourra en parler un peu plus tard, Richard, dans l'émission, si tu le souhaites. Et je dois dire que sur les grands secteurs donc, qu'on vient d'évoquer, que sont le textile, le tourisme, l'informatique, aujourd'hui, je suis très confiant car cette jeune république qui, cette année, fête 20 ans, est composée de jeunes dynamiques, de jeunes étudiants de haut niveau, aussi bien dans les universités qu'à Polytechnique, et où on se déchire de partout pour récupérer cette matière grise et faire avancer le problème économique. Alors avant de redonner la parole au président de la Chambre dans quelques instants, nous allons prendre au téléphone le secrétaire général de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne, monsieur Jacques Avdoyan. Monsieur Avdoyan, bonjour. Bonjour à tous. Alors, Jacques Avdoyan, vous êtes secrétaire donc général de la Chambre de commerce et aussi l'un des membres fondateurs de cette Chambre. Même question que celle que nous avons posée à Simon Azilazian il y a un instant. Comment la Chambre peut-elle aider encore mieux l'Arménie à se développer économiquement? Ben, nous le faisons déjà, puisque je travaille avec une entreprise sur Marseille qui est importateur de produits d'Arménie, ainsi que qui s'appelle OPA Distribution à Marseille aux Arnavaux, et qui a son pendant à Paris, à Rungis, qui s'appelle Socofram. Nous travaillons déjà les produits d'Arménie pour les jus de fruits à la marque Areva, pour les vins à la banque Marvan, Arénie, les confitures Alishan, la bière Kilikian, etc. Et nous essayons
de faire en sorte d'installer tout ça dans toutes les petites boutiques que vous connaissez, que ce soit d'origine arménienne ou autre. Et nous essayons de faire le forcing, mais justement, comme j'avais un doute sur les enveloppements qui étaient faits concernant les profils européens, il y a un mois, un peu plus d'un mois, j'étais en Arménie pour le congrès mondial des chambres de commerce internationales, et j'en ai profité pour faire le tour de cette chambre de commerce internationale, et j'en ai profité de faire un tour dans les magasins pour voir un petit peu ce qui se passait et savoir si l'Arménie était prête à avoir le profil européen. Et visiblement, j'ai visité des petites boutiques, justement pas les grands supermarchés qui n'ont pas mais très moyens, mais plutôt les petites pour voir quel genre de produits il y avait dans les magasins. Visiblement, on est capable en Arménie d'avoir toutes sortes de produits aux normes européennes, puisque j'ai fait le tour dans un tas de produits, que ce soit les conserves, les jus de fruits, les vins, les vodkas, etc. Nous sommes prêts à avoir tout ça. Ici en Europe, on peut peut-être les amener. C'est tout à fait faisable. Le seul problème de l'Arménie, c'est encore faut-il qu'ils le veuillent. Alors, S'ils le veulent administrativement le faire, c'est tout à fait possible, à condition qu'ils puissent nous livrer des conteneurs de marchandises à 3 semaines. Alors justement, vous êtes le spécialiste à la Chambre des produits d'Arménie et président donc du syndicat des VRP. Comment pourrait-on permettre une meilleure information, une meilleure diffusion de ces produits, Jacques Avdoyan? Mais la première idée qui m'était venue, c'est d'aller voir sur place, lorsque je suis allé il y a 6 semaines, pour voir exactement si on était capable d'avoir, comme je disais tout à l'heure, ces normes européennes. Oui. Et visiblement, sur place, c'est tout à fait possible, parce qu'on ne peut pas demander à la grande distribution, puisque moi je travaille plutôt avec la grande distribution sur la région PACA, de travailler ce genre de produits si nous n'arrivons pas à avoir les produits, ou si avoir de la marchandise, à 3 semaines, nous la recevons que 3 mois après. À partir du moment où ils sont capables de livrer à 3 ou 4 semaines, ce qui est à peu près dans les normes, à partir de là, on peut avoir la possibilité de discuter avec la grande distribution et pouvoir commencer à essayer de rentrer des produits, ce que nous avons déjà fait, parce qu'il y a certains centres Leclerc de la région qui ont déjà des feuilles de vigne en bocaux qui sont installées dans les rayons, et nous testons un peu pour voir ce qui va se passer au niveau de la qualité produit et surtout au niveau des prix, puisque pour nous, dans la grande distribution, quel que soit le produit, il y a 3 critères de base, c'est la qualité, le prix et le marketing. Merci monsieur le secrétaire général de la Chambre économique arménienne d'être intervenu dans cette émission, à très bientôt. Merci à vous et bon après-midi à tous. Bernard Olassian. Oui, je voudrais ajouter un mot. Vu le niveau de technicité des étudiants arméniens, je suis très étonné que des entreprises du CAC 40 françaises, Renault pour ne pas le nommer, envisagent d'ouvrir une usine en Turquie, c'est-à-dire hors d'Europe, alors que tout le monde sait que bon, les Arméniens sont au niveau de la technicité supérieurs à bien d'autres. Et si on va donc ouvrir hors de l'Europe, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas en Arménie. Alors messieurs, ça c'est une question pour vous quatre. Quel message pourrait-on faire passer auprès des chefs d'entreprise franco-arméniens? Éric Narcissian. Alors moi comme message, je dirais qu'on a quand même la chance, on vit une chance historique de pouvoir aider une jeune république. Il ne faut pas oublier que la République d'Arménie n'a que 20 ans. Et elle a tout juste 20 ans. Tout juste 20 ans, tout à fait, Richard. Et je pense que quelque part, on a comme une sorte de devoir d'aider cette jeune république, en sachant que la diaspora est aussi une force, dans la mesure où on se met en adéquation, bien sûr, avec les besoins locaux. Donc le message, pour aller vite au niveau des chefs d'entreprise franco-arméniens, c'est d'essayer de voir ce qui est possible, de nous contacter, de voir dans quelle mesure ils peuvent aussi bien sûr faire du business, parce que on est une chambre de commerce, hein, c'est même si nous en tant que administrateurs c'est bénévole, mais les aider à essayer de voir ce qu'il est possible de faire, et une réciprocité, et je dirais aussi en parallèle, en profiter aussi de dans une logique réseau entre nous, de développer des courants d'affaires qui peuvent aider l'Arménie. Alors nous sommes en liaison téléphonique avec Didier Parakian, cette fois ancien président de la Chambre de commerce et d'industrie franco-arménienne. Didier Parakian, bonjour. Bonjour Richard, bonjour tous mes amis de la Chambre de commerce franco-arménienne. Bonjour. Alors Didier, on va vous poser la même question. Qu'est-ce qui a été le plus facile et le plus difficile? C'est la question que j'avais posée à Simon tout à l'heure. À gérer dans cette chambre, Didier Parakian. Alors le plus difficile, ça a été pour moi au moment de l'année de l'Arménie, quand il y avait, malheureusement, je dis malheureusement, parce qu'il y avait 2 chambres de commerce franco-arménienne qui se disputaient un peu le leadership. Et quand Simon Aziazian, président d'une des chambres, et Armen, président de l'autre chambre, sont venus me demander d'essayer de trouver une solution pour les réunifier, je crois que l'union fait la force et nous sommes arrivés à faire quelque chose
fantastiques tous ensemble. Ça, ça a été des moments difficiles. Des moments faciles, ça a été des moments de joie, des moments festifs, quand tous ensemble, nous avons organisé cette magnifique soirée des Tauros ou des grandes personnalités de la communauté arménienne française, que ce soit Alain Prost, Yuri Jorkaef, Armen Petrosian, sont venus à Marseille récupérer leur Tauros. Ça a été un moment où la chambre a été tirée vers le haut, et c'est des moments comme ça qui font connaître davantage cette chambre qui aujourd'hui, fort de très nombreux adhérents, rayonne bien sûr à travers la France, mais surtout est le lien indispensable entre la France et l'Arménie. Alors Didier Parakian, vous êtes dans l'équipe de Jean-Claude Gaudin, le délégué au commerce extérieur. Alors comment, je vous pose la question, comment attirer les investisseurs et quels sont les avantages qui peuvent amener un investisseur étranger à venir investir en Arménie ? Ben écoutez, déjà, des grands groupes français ont donné l'exemple. Vous avez parlé du Crédit Agricole, vous avez parlé de Veolia, j'ai entendu le nom de Renault. Aujourd'hui, maintenant, c'est le tour des PME. En général, ça se passe toujours comme ça. Les grandes entreprises montrent l'exemple et dans leur sillage, les PME suivent. Et c'est vrai que des voyages, la meilleure des solutions, c'est d'aller en Arménie, d'être curieux, parce que là-bas, il y a un véritable marché, c'est un petit marché, mais il ne faut pas le négliger, parce que ça peut être aussi une bonne passerelle pour aller en Russie. Et puis moi, je dirais aussi, sans être chef d'entreprise, vous êtes tout simplement un citoyen lambda, mais d'aller passer simplement une semaine de vacances avec votre famille en Arménie, ça participe à la prospérité du pays, parce que le tourisme, c'est une des richesses de l'Arménie. Et pour fêter les 20 ans de l'indépendance d'Arménie, vous en avez parlé aussi, on se retrouvera tous au Palais du Pharaon le 19 septembre, avec la Chambre de commerce franco-arménienne et son président Bernard Roulassian. Lui, nous allons organiser une belle manifestation, mais je pense qu'on en reparlera et on espère que les auditeurs viendront très nombreux. Je vous pose la question que je vais poser à nos amis qui sont en studio dans quelques secondes. Comment vous voyez évoluer l'économie de l'Arménie, Didier Parakian ? Ben écoutez, moi je la vois très, très favorablement, parce que c'est un pays qui est jeune, qui se construit, mais ils ont besoin de cette diaspora qui est clairsemée à travers le monde, le pays de se sentir porté. Et je pense que grâce à la Chambre de commerce qui mène des actions au quotidien, ça sera sans doute beaucoup plus facile pour les entrepreneurs marseillais, mais français en général. Merci Didier Parakian d'être intervenu dans cette émission. À très bientôt. Merci. Au revoir. Alors, on va poser également la question à Bernard Atémian. Comment voyez-vous l'économie de l'Arménie évoluer, Bernard Atémian ? Écoutez, il y a deux façons d'appréhender le problème. On l'a dit, c'est une jeune république, effectivement. Aujourd'hui, l'économie de marché, et on peut le démontrer régulièrement avec nos partenaires que sont Grant Thornton, à travers les différentes conférences qu'il mène en France et en Europe. Et l'Arménie, effectivement, est sur des standards européens au point de vue législation, droit du travail, économie, etc., etc., et juridique. Il est vrai que d'année en année, il y a des améliorations. L'avantage qu'a l'Arménie aujourd'hui, c'est qu'elle peut, grâce à la Chambre de commerce franco-arménienne, travailler avec des gens qui ont réussi dans différentes catégories professionnelles. Et nous qui avons la tête dans le guidon, quelquefois on ne s'en aperçoit pas, mais au sein de cette chambre de commerce, vous avez des gens qui sont des architectes, des industriels du bâtiment, du textile, du tourisme, de la communication et de l'événementiel. Et aujourd'hui, il y a un nouveau tournant, c'est très important, car grâce à des gens comme Eric Nersissian et Richard Fendikian, nous avançons à vitesse grand V. Il y a une nouvelle dynamique depuis quelque temps. Éric Nersissian, comment on peut entrevoir, comment on peut voir évoluer l'économie de l'Arménie selon vous ? Alors, on a la chance quand même d'être dans une logique macroéconomique de pays émergents, c'est-à-dire que ce sont encore tous les pays du bloc, on va dire, ex-soviétique, sont dans une logique de croissance. Donc, en fait, il y a beaucoup plus à faire à l'Est qu'à l'Ouest. Et je pense que les entreprises françaises en général, et bien sûr les entreprises françaises qui ont une direction d'une personne qui est d'origine arménienne, peuvent profiter de cela. Alors c'est sûr que c'est pas facile, mais à terme l'Arménie aussi peut jouer, petit pays, mais peut jouer de par plein de raisons, une logique de plaque tournante en termes de services, tout à l'heure on parlait de matière grise. Là-bas, il y a des personnes qui sont tout à fait compétentes, il y a un niveau intellectuel élevé, qui fait que moi, personnellement, je pense que c'est dans le domaine des services que l'Arménie peut avoir un très beau futur. Merci Éric Nersissian.
Allez, un petit mot de Simon Azilazian, et puis après nous aurons tout de suite la chronique de l'UGFA. Simon Azilazian. Oui, je voulais rajouter juste une petite chose. Je crois qu'il ne faut pas utiliser la langue de bois, mais être très direct. L'Arménie aujourd'hui a un problème majeur, c'est qu'elle n'a pas dans son tissu économique et social une couche moyenne. Et je crois que si on veut ou si on peut envisager avec succès l'évolution de l'Arménie, ça ne peut passer que par la création de cette couche sociale, parce qu'aujourd'hui il y a un clivage énorme entre des gens très pauvres, des gens très riches, et entre les deux il n'y a rien. S'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas d'espoir non plus pour ceux du bas de reprendre une certaine économie. Et on sait ici en France que les PME sont génératrices d'énormément d'emplois, et ça n'existe pas en Arménie. Alors, très belle transition. Merci Simon Azilazian pour accueillir Quenard. Quenard qui va nous présenter donc la chronique de l'UGFA. L'UGFA, je le rappelle, c'est l'Union Générale des étudiants franco-arméniens. Alors justement, je crois qu'on va rejoindre un peu ce dont nous parlait Simon à l'instant. On va rentrer vraiment dans l'économie arménienne d'aujourd'hui. Quenard, c'est à vous. Bonjour à tous. Alors, il faut savoir tout d'abord que l'Arménie était l'une des républiques les plus riches de l'URSS, mais qu'après la chute du régime soviétique, elle a dû repartir de zéro. Déjà, la situation, le relief et la situation climatologique, c'est-à-dire que l'Arménie, les trois quarts du pays sont à plus de 1000 mètres d'altitude, que le climat est sec l'hiver et assez rude, sec l'été, pardon, et assez rude l'hiver, ce qui handicape très fortement l'agriculture, une agriculture très peu productive et en attente d'une modernisation très profonde. En ce qui concerne l'industrie, elle a été privatisée dans les premières années de l'indépendance du fait d'une forte corruption. Les intérêts stratégiques, tels que les communications et les usines électriques, ont été vendus aux Russes, Grecs et aux Français, le reste étant concentré dans les mains d'une vingtaine de monopolistes. C'est le manque de ressources naturelles qui oblige l'Arménie à valoriser son capital humain en développant les sciences et les services. Malgré la forte croissance du secteur des services, due en grande partie au développement du tourisme, la forte corruption qui règne encore en Arménie et la tendance monopolistique handicapent fortement le développement économique. Malgré le soutien financier de la diaspora, la situation sociale reste tragique. Le salaire moyen, selon les statistiques officielles, 110 000 trams, soit environ 200 euros, ne correspond pas à la réalité. Pour la grande majorité des Arméniens, le salaire est autour de 70 000 trams, soit 140 euros. D'ailleurs, les indicateurs économiques du FMI ne s'y trompent pas. Malgré une croissance à deux chiffres jusqu'en 2007, avec 18,9%, le PIB est passé au négatif en 2008 et 2009, ce qui dénote la vulnérabilité et la dépendance de l'économie arménienne. D'autant plus que la reprise depuis 2010 semble précaire au regard du taux d'inflation de 8,3% qui affecte profondément le pouvoir d'achat de la population. L'absence de sécurité sociale, la quasi-absence de l'allocation au chômage, l'accès restreint aux universités, entravé par des frais exorbitants, voilà les causes majeures d'une crise sociale constante. Selon les chiffres les plus optimistes, ceux de la Banque mondiale, en 2009, 26,5% de la population, soit un individu sur quatre, vivait encore sous le seuil de pauvreté en Arménie. Avant, nous avions de l'argent, mais rien à acheter, se rappelle un citoyen en faisant référence à l'ère soviétique. Maintenant, nous avons beaucoup de choses en vente, mais pas d'argent pour les acheter. Ce témoignage décrit au mieux ce qui semble être la situation économique et sociale en Arménie. Merci Quenard, et bravo à vous. Voilà, nous avons demandé à Bernard Attémian de nous rejoindre et nous allons tout de suite passer, parce que nous sommes en retard, au coup de sifflet et au coup de cœur du club Ararat TV Dialogue. Voilà, j'invite notre ami Bernard Attémian à nous rejoindre. Alors, coup de sifflet, coup de cœur, il faut aller très vite, je crois qu'il reste deux minutes. Hein. Bernard Olassian. Le coup de cœur, alors le coup de cœur et le coup de sifflet pour les derniers événements de l'actualité. En un mot, hein. En un mot, ben moi c'est le coup de cœur, c'est mon conseil d'administration. Parce que de la CCIFA, voilà. Parce que humaniste, déterminé, jeune, et la valeur n'atteint pas le nombre des années, des jeunes qui sont là et qui nous servent énormément. Ce que j'ai détesté, bon je vais pas vous surprendre, c'est le résultat du génocide au Sénat, malgré les efforts de tous. Mais sachez que les Arméniens sont des gens qui n'abandonnent pas facilement et nous faisons notre adage, qui combat n'est pas sûr de gagner et qui ne combat pas est sûr de perdre. Bon, un coup de sifflet très vite en un mot.
Un autre coup de sifflet? Non, un seul, c'est bon. Éric Narcissian, coup de cœur, coup de sifflet, en un mot. Alors, rapidement, le coup de sifflet, c'est ce qui s'est passé la semaine dernière. Donc, rapidement, il y a l'UNESCO qui avait organisé une exposition des Rashkars, et pour des raisons de pression internationale, on a enlevé le lieu des Rashkars. Je trouve ça complètement scandaleux. C'est comme si on enlevait le lieu d'une église catholique de par le monde. Donc, ça, je trouve ça scandaleux. Et le coup de cœur, un petit peu, à l'égal d'un peu de l'ambiance et de tout à l'heure, la jeune fille, Knarr, pardon. C'est un peu le mouvement des jeunes qui s'indignent, parce que je crois aussi qu'on est en train de passer un monde, et notamment économique, à des jeunes, qui n'est pas forcément, je dirais, idéal. Et ils commencent à s'indigner. Je pense que c'est une bonne chose. C'est une bonne chose de ne pas tout accepter. Merci Eric. Bernard Attignan. Alors le coup de cœur, si vous voulez bien, c'est le 26 avril dernier, Bertrand Delanoë, à la mairie de Paris, recevait le maire d'Erevan, Karen Karapetian, et ce fut un moment fort. Les sifflets, c'est le résultat du Sénat, qui est vraiment incroyable, quelque chose qu'on ne peut pas imaginer, et qui, je pense, tôt ou tard, nous gagnerons le combat, mes amis. Simon Azilazian. Je crois que je rejoins mes amis là-dessus sur le vote négatif du Sénat. Et je crois qu'il y a des moments où on est fier d'être français, il y a des moments où on l'est un peu moins, et là on est dans le moins. Donc en ce qui concerne le coup de sifflet, moi je crois que le tsunami avec ses conséquences au Japon sur la centrale nucléaire de Fukushima, je crois que c'est un événement très important dont on ne prend pas la mesure. 20 ans après Tchernobyl, on semble avoir oublié les désastres que ça a pu causer, et puis ça recommence, et je crois que dans la folie des gens, on continue, on persiste et on signe. Et là, je crois qu'il faut tirer une sonnette d'alarme. Le coup de cœur, alors j'étais un peu comme Eric tout à l'heure, j'avais noté Indignez-vous de Stéphane Hessel en regardant les jeunes arméniens. Oui, indignez-vous, parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on doit s'indigner. Et puis dans les généralités, c'est difficile de porter un avis, ou de regarder dans l'actualité ce qui peut être très positif. Alors j'ai envie de dire aujourd'hui, ce que j'ai retenu de positif sur ces dernières semaines, c'est le mariage de mon fils. Bravo. Voilà, c'est la fin de cette édition du Club Ararat TV Dialogue. Merci à vous quatre. Bernard Olassian, Bernard Attémian, Simon Azilazian et Éric Narcissian étaient donc les invités du Club Ararat TV Dialogue. Voilà quelques petits rendez-vous à noter, deux rendez-vous importants, en tout cas à noter la soirée réseau et convivialité de la Chambre de commerce qui se déroulera le 23 juin à 19h au Château Ricard de Sainte-Marthe, dans le 14e, et à ne pas rater bien sûr le prochain grand rendez-vous de la Chambre qui aura lieu le 19 septembre à l'occasion des 20 ans de l'indépendance de la République d'Arménie. La Chambre, je vous le rappelle, organise au Palais du Pharo un dîner de gala exceptionnel avec André Manoukian, Mathieu Madénian, Hélène Segarra, Patrick Fiori, qui seront donc nos invités d'honneur, et cette soirée sera suivie d'un grand concert à l'auditorium du Pharo. André Manoukian et Patrick Fiori, signalons-le, recevront les récompenses suprêmes de la Chambre de commerce franco-arménienne. Ils recevront solennellement leur trophée Tauros au cours du dîner de gala au Salon Eugénie. Et puis un petit scoop que je vous donne avant de terminer l'émission, Michel Drucker sera le parrain du Phonéton 2011, et il sera sans doute, on l'espère, en tout cas peut-être avec nous, en tout cas le 19 septembre au Palais du Pharo. Voilà, pour en savoir plus sur la Chambre de commerce, le site internet www.ccifa-france.com. Voilà, je vous rappelle que vous pouvez retrouver cette émission sur le site d'Ararat TV, la web TV franco-arménienne, www.ararat-tv.com. Je vous souhaite de passer d'excellentes vacances. Nous nous retrouverons dès septembre. En attendant, je vous dis à très vite sur Dialogue et Ararat TV.